Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale élection présidentielle. Ce sont les résultats définitifs qui viennent d'être donnés. Si vous avez assisté au direct de tout à l'heure, eh bien, vous l'avez compris, le Conseil constitutionnel vient de donner les résultats définitifs lors d'une audience solennelle. Aujourd'hui, tout à l'heure, même donc ce 16 mai reste le jour où les résultats définitifs sont donnés par le Conseil constitutionnel. Nous sommes sur ce plateau avec Christian Aladim et Madison Bayengandino. C'est le trio qui se retrouve une fois de plus. Bonsoir, messieurs, et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir à nos téléspectateurs. Bonsoir Christian. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Et chers téléspectateurs, nous sommes là juste après cette déclaration, sinon cette proclamation des résultats définitifs pour juste quelques questions et réponses avant de boucler cette édition spéciale qui a commencé, je le signale, depuis 15 heures. Alors, Christian, j'ai dit Christian, excusez-moi, Madison Bayengandino, est-ce qu'on s'y attendait à cette proclamation des résultats définitifs, à cette confirmation des chiffres de l'Agence nationale de gestion des élections? Pour moi, il n'y a aucune surprise en fait. Moi, je m'attendais. Dans l'esprit, Pourquoi? je m'attendais à ce que ces chiffres soient confirmés. C'est très rare en fait dans l'histoire politique du Tchad et de l'Afrique d'une manière générale que le Conseil constitutionnel ou bien la Cour constitutionnelle, voilà, les dénominations peuvent changer selon le pays, viennent remettre fondamentalement en cause les résultats provisoires donnés par que ce soit la commission électorale ou bien l'ange en ce moment au Tchad. Vous le voyez bien à travers ces chiffres-là que pratiquement pas grand-chose n'a changé. Quand on voit le taux de participation, l'ange a donné 75,89%. Le Conseil constitutionnel vient, par exemple, de donner 75,78%. C'est moins de 0,11% simplement. Cet écart simplement. Pour les résultats, c'est pratiquement les mêmes chiffres, à l'exception de Mamad Idriss Déby Itno, qui au lieu de 61,03% par l'ange, se retrouve à 61%. Païmi qui, de 16,91%, se retrouve à 16,93%. Et Succès Masra qui, de 18,53%, se retrouve à 18,54%. C'est des poussières. Et les sept autres candidats conservent leur score. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune surprise en fait. Il n'y a aucune surprise, c'est pareil chez vous, Christian. Ah oui, de vous à moi et pour tout observateur de la scène politique nationale, voilà, cela ne devrait pas surprendre que le Conseil constitutionnel vient t'as confirmé les résultats qui ont été proclamés par l'ange, le neuf. Pas vraiment que c'est pour des raisons politiques. Ouais. Tout à l'heure, en suivant le discours du président du Conseil constitutionnel sur les motifs pour lesquels les requêtes des candidats ont été rejetées, je pense que c'est bien fondé. C'est bien fondé. Alors, moi, ben, la question suivante que j'aimerais également vous poser, Christian Aladim, qu'est-ce que vous pensez des requêtes de Succès Masra et de Païmi Pataki Albert? Bien, on savait déjà que ces requêtes ne pouvaient pas vraiment aboutir. Parce que juridiquement possible, mais politiquement, voilà, ça. Demander l'annulation d'un scrutin, c'est remettre tout le processus à zéro. Voilà. Étant donné que Succès Masra est l'acteur principal, c'est son gouvernement qui organise ce scrutin et demander qu'on l'annule, c'est que lui-même ne croit plus en la crédibilité des institutions qu'il a contribué à mettre en place. Tout à fait. Politiquement pas possible, Madison Bayengandino. Qu'est-ce que vous ajoutez? Ben, ici, d'abord, il faut se préciser que le Conseil constitutionnel s'est basé du point de vue juridique. Voilà. Le Conseil a reçu trois requêtes hein, de trois candidats. Nasra Dimas Ngar qui a déposé hors délai. Succès Masra et Païmi Pataki Albert qui ont déposé dans le délai, dont les requêtes ont juste été recevables sur la forme, mais dans le fond, n'ont pas été prises en compte parce que leur requête n'était pas bien fondée. N'était pas fondée comme il a donné plusieurs raisons en fait. Et en fin de compte, certes, ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu hein, en saisissant le Conseil constitutionnel, en usant des voies de recours légales que leur reconnaissaient les textes. Donc ils ont joué le jeu. En fin de compte, le Conseil constitutionnel a estimé que leur requête ne pouvait pas véritablement remettre en cause le processus qui a été enclenché et le Conseil a décidé d'entériner la victoire au premier tour de Mamad Idriss Déby Itno. Donc les arguments avancés par les deux candidats n'étaient pas juste fondés.
Voilà, c'est l'avis du Conseil constitutionnel en tout cas. Est-ce que la régie peut nous dire si Ismaël est prêt, Ismaël qui a assisté à la proclamation des résultats en direct du Conseil constitutionnel. Est-ce que Ismaël, vous êtes prêt pour la synthèse? Oui, je t'attends. Bonsoir, mesdames, bonsoir, monsieur. Bienvenue sur Tchad Info Télévision et sur Tchad Info FM. Nous sommes en direct du Conseil constitutionnel où on vient de proclamer le résultat définitif de l'élection présidentielle mai dernier, sans grande surprise, véritablement, parce que le candidat Mohamed Idriss Déby Itno sort vainqueur de cette élection avec pratiquement les mêmes pourcentages proclamés par l'Agence nationale de gestion des élections le 9 mai. On y est suivi de M. Assiongar Masra qui totalise 18,54% et Paimi Padaki Albert qui revient lui également à la troisième position avec 16,93%. Il faut noter également que la majorité des requêtes introduites ici, notamment par trois candidats, ont été jugées, notamment pour la requête de Mansiri, irrécevable. Et parmi les autres requêtes introduites par Paimi Padaki Albert et Masra, le Conseil constitutionnel a jugé être compétent pour gérer certaines situations. Alors, si vous le permettez, nous avons un représentant de parti politique qui est avec nous ici en direct. Il est important pour nous quand même de savoir comment est-ce qu'il se sent d'ici. Bonsoir, monsieur. Vous présentez quel parti? Je représente le grand maître Bebzoun Ogongoro Théophile, candidat de l'Alliance pour le président 2020. Alors, au sorti de cette élection, pas de véritable grand pourcentage. Quel est votre ressenti? Le ressenti, c'est d'abord un ressenti de satisfaction. En ce sens qu'aujourd'hui, la démocratie a triomphé et que par-dessus tout, le droit a été dit par le juge électoral qui est le Conseil constitutionnel. Nous en tirons les leçons politiques de ce qui s'est passé, mais nous nous projetons aussi dans l'avenir pour les futures élections. Et dans le même sens, nous tenons aussi, une fois de plus, dans un esprit de fair play républicain, à citer l'élu qui a été proclamé vainqueur par le juge électoral. Et aussi, nous le rappelons d'où vient le Tchad et qu'il est nécessaire de pouvoir encore racoler les morceaux, de pouvoir encore prendre en compte les propositions, les projets des différents candidats, qui sont toutes ne sont pas mauvaises, de telle en sorte que, ensemble, la main dans la main, les Tchadiens puissent bâtir le Tchad de demain, indépendamment du fait que chacun devrait défendre son candidat. Je pense que la leçon finale, c'est que la phase de la politique est finie et comme le dit notre hymne national, il est temps de se mettre au travail, à l'ouvrage, pour le bien-être des Tchadiens. Merci beaucoup. Voilà, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, gardez dans l'esprit de fair play. C'est en représentant du candidat malheureux à cette élection présidentielle où nous sortons justement aujourd'hui pour la proclamation des résultats finaux par le Conseil constitutionnel. C'est donc officiel, il n'y a plus de doute. Mohamed Idriss Déby Itno est président de la République du Tchad pour les 5 prochaines années. Alors peut-être le temps de voir si on peut avoir 2-3 personnes par là. Nous vous renvoyons l'antenne. Yves Ismaël en direct du Conseil constitutionnel. Merci beaucoup pour ce résumé. Et de retour sur ce plateau avec Maïssamba Ngardino et Christian Aladim. Est-ce que le fait que le Conseil constitutionnel ne change pas grand-chose dans les chiffres nous fait comprendre que l'Agence nationale de gestion a fait un travail remarquable? Ah oui. Si jamais il y avait... comment dire? Si jamais le Conseil avait... donner un résultat qui n'est pas vraiment approximatif à celui de l'ange, cela pourrait amener à dire que l'ange n'avait pas fait un travail assez sérieux. Mais le résultat est vraiment quasiment le même. N'eût été les quelques pourcentages qui ont été enlevés à certains candidats, ajoutés à d'autres. C'est qu'il faut dire que l'ange a fait un travail sérieux, peut-être avec des moyens conséquents qui lui ont été aussi desservants. L'ange a fait un travail remarquable, c'est votre avis, Madi Sommeil?
Disons que dans la même lignée que Christian, si le Conseil constitutionnel n'a pas remis fondamentalement en cause le travail fait par l'ange, c'est que ce travail est crédible. C'est que ce travail est crédible. Donc, il n'y a pas grand-chose à reprocher à l'ange. En fait, c'est ça le message du Conseil constitutionnel. En reprenant pratiquement les mêmes chiffres, que ce soit le taux de participation, que ce soit les scores obtenus par les candidats, le Conseil constitutionnel a estimé qu'il n'y avait pas grand-chose à reprocher à ce que l'ange a fait comme travail. Évidemment. Et la régie nous signale que Yves Ismaël, sur le terrain, a deux invités qui ont également assisté à cette proclamation, qui aimeraient livrer leur impression. Yves, c'est à vous. Merci Ghislaine. Nous revenons donc ici au Conseil constitutionnel, pardon, où nous recevons au fur et à mesure quelques personnes à qui nous posons deux, trois questions au sortir de cette élection, de la proclamation des résultats de cette élection. Et nous avons un observateur venu pour observer ces élections. Vous le savez, il y a eu beaucoup d'observateurs qui se sont déplacés un peu de partout en Afrique et dans le monde pour venir donc jeter un regard sur cette émission. Nous recevons donc M. Augustin Tchofo, observateur de Oasis International, si je me trompe. Alors, pendant les élections, comment est-ce que vous avez apprécié la présidentielle? Au sorti de là, quelles sont les recommandations que vous avez faites au gouvernement tchadien en tant qu'observateur? De prime abord, je dirais que tout s'est bien passé. Nous sommes arrivés longtemps avant les élections, l'élection pour Mandi le 6 mai, et nous avons observé de façon générale qu'il y avait accalmie, et les candidats se sont déployés. Et le jour des élections, nous avons aussi constaté qu'il y avait calme. Les électeurs se sont déployés sur l'ensemble du territoire pour aller exprimer leur droit de vote. Et ce qui a beaucoup marqué aussi nous autres observateurs, c'est qu'on avait constaté que les femmes sont sorties un peu plus tôt que les hommes pour aller dans des bureaux pour envoyer les bureaux de vote. Et cela nous a beaucoup marqué. Et cela, on se demande toujours si ce n'est pas la particularité du Tchad, parce que sinon le continent, nous voyons un peu ce qui se passe ailleurs et ça n'a jamais été le cas. Donc nous pensons que tout s'est bien passé. Nous venons de suivre les résultats définitifs. Nous avons un résultat provisoire. Nous avons constaté qu'il y avait toujours la calme dans le territoire et nous pensons que c'est l'essentiel. D'accord. Merci beaucoup, M. Tchofo. On espère que vous serez là encore très prochainement. Et à ma gauche, nous avons donc le représentant du président élu, le représentant donc de Midi. Monsieur, bonsoir. Je suppose que vous êtes l'homme le plus heureux aujourd'hui parce que finalement, votre candidat se retrouve comme vous avez souhaité. Quel est votre sentiment au sortir donc de la proclamation de ces résultats définitifs par le Conseil constitutionnel qui est l'autorité la plus compétente pour ces résultats? Merci, je m'appelle Célestin Tongona, je suis le directeur national de la campagne du candidat Midi comme adjoint. Bien sûr, comme vous le dites, nous sommes extrêmement contents que ce résultat soit définitivement confirmé pour que notre candidat puisse désormais exercer en tant que président de la République, chef de l'État, élu démocratiquement par le peuple tchadien suite à la transition de 3 ans que nous avons connue au Tchad. Et je pense que c'est une journée qui va certainement être marquée de lettre d'or pour que la paix puisse être définitivement scellée dans notre pays. Et pour cela, je voudrais simplement saluer et féliciter tous les électeurs, y compris ceux qui n'ont pas voté pour notre candidat, parce que le candidat lui-même, dans l'élan de solidarité nationale qu'il a voulu imprimer et qu'il va imprimer, avait souhaité, dès la proclamation des résultats provisoires, qui n'étaient pas encore confirmés par le Conseil constitutionnel, lancer déjà un appel à tous ses compatriotes pour que nous puissions ensemble refonder notre pays, parce que, avait-il dit, nous ne sommes pas des ennemis, nous n'étions que des adversaires, et que c'est le meilleur qui a gagné, tout simplement. Donc la porte, les bras de notre candidat sont ouverts et il est prêt donc à asseoir et à surtout à finaliser la réconciliation des Tchadiens pour que nous puissions refonder notre pays, le reconstruire
afin que la paix scelle définitivement la réconciliation entre les Tchadiens de toutes les tendances. Alors, vous êtes en train de nous dire clairement que votre candidat est prêt à recevoir les 9 autres candidats malgré cette élection pour construire le Tchad. Mais déjà qu'il a accusé réception de ceux qui l'ont félicité, nous sommes dans un espace démocratique et le fair play comme un sport existe. Nous sommes satisfaits que beaucoup de candidats qui ont été battus par le scrutin ont présenté officiellement leur félicitations au nouvel élu. Et je suis convaincu que cet élan est toujours maintenu et la main tendue du chef de l'État est toujours permanente. Donc, nous, au niveau de la direction nationale de campagne, nous pensons que les Tchadiens ont été très mûrs dans leurs actions et qu'ils ont simplement exprimé leur volonté de voir le Tchad enfin refondé, surtout avec une stabilité totale après cette transition qui a duré quelques années suite au drame que vous savez que le Tchad a traversé après la mort du président Idriss Déby. Donc, nous sommes dans une nouvelle ère et il faudrait que la solidarité nationale puisse se renforcer. Et dans tous les cas, nous sommes obligés, nous Tchadiens, de nous retrouver pour sauver notre pays du sous-développement. Merci beaucoup. Alors, vous l'aurez compris, solidarité nationale, esprit de fair play. Voilà donc comment le candidat midi, au sorti de cette élection, son ressenti que nous avons eu à travers donc un de ses représentants. Nous sommes toujours en direct du Conseil constitutionnel après donc la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 6 mai au Tchad. Merci Yves, merci beaucoup. Alors, chers invités sur ce plateau, Madison Baye-Gardino, ce sera quoi la suite? Mahamat Déby, élu président de la 5e République, c'est quoi la suite? Voilà. Disons que le processus est bouclé avec ses résultats définitifs. Maintenant, la phase de la transition va être tournée. Dans les tout prochains jours, ça va être l'investiture du nouveau président élu pour son mandat de 5 ans. La transition, qu'il faut le rappeler, ça a duré 3 ans, ça a été enclenché en avril 2021 après la mort du président Idriss Déby Itno. Elle a été marquée notamment par le dialogue de Doha qui a permis la signature de l'accord avec les politico-militaires, le dialogue national organisé entre août et octobre 2022, l'organisation du référendum qui a permis de doter le pays d'une constitution et le clou, c'est cette élection présidentielle qui a permis d'élire un nouveau président qui met fin justement à cette période de transition et le nouveau président va être investi bientôt pour son nouveau mandat de 5 ans. Est-ce que les candidats malheureux, ils ont quelque chose à faire ou c'est bon pour eux? Avec les résultats définitifs donnés par le Conseil constitutionnel, c'est la fin du processus. Il n'y a plus de recours au niveau national. Il n'y a plus de recours au niveau national. Il n'y a plus de recours au niveau national. Qu'est-ce qu'un candidat malheureux ferait? Est-ce la bonne idée? Ce serait de venir Célestin Topona de la coalition pour un Tchad uni l'a dit. Il faut que tous les 9 candidats viennent pour fonder le Tchad avec son candidat à lui qui vient de gagner à les élections. Ou quelle sera la suite pour les candidats? Demeureront-ils dans l'opposition? Mais en fait, la politique, c'est un jeu d'alliance. Donc, les autres candidats malheureux, certains ont déjà félicité le vainqueur dès l'annonce des résultats le 9. D'autres, pas encore. Donc, la suite peut-être pour eux, c'est étant donné qu'ils ont obtenu des résultats qui sont assez acceptables, appréciables, comme par exemple le parti de succès Massa, deuxième place, pourrait bien s'entendre avec le parti et signer une alliance avec laquelle ça pourrait permettre à ces deux personnalités de diriger le pays ou de faire chemin ensemble voilà pour le quinquennat parce que là il y a les élections législatives qui sont encore en cours. La date n'est pas connue mais sûrement, après l'investiture, le nouveau président s'attellera à organiser, à demander à son gouvernement d'organiser ces élections parce que c'est ce pouvoir qui va adopter des lois, des textes législatifs pour organiser la vie de la société. Donc, pour ces échéances, ça pourrait être une occasion pour les candidats malheureux de jouer encore leurs cartes. Les candidats malheureux auront la chance de jouer encore leurs cartes.
peut-être ces élections législatives sont tout aussi importantes que la présidentielle, les législatives et les communales. Elles sont importantes. Au début, l'idée était d'organiser des élections générales. L'idée était d'organiser des élections générales, mais voilà, compte tenu du fait qu'il était difficile de réunir les moyens pour organiser ensemble ces élections, et au Tchad, en termes de lit rouge, c'est l'élection présidentielle. Vraiment, question de qu'il n'y ait pas de vide juridique, on ne laisse jamais passer l'élection présidentielle. Donc, l'option a été prise d'organiser l'élection présidentielle pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ensuite, le président, le gouvernement qu'il va nommer s'attellera à organiser les autres élections. C'est important parce que les députés, les conseillers nationaux qui sont là ont été juste désignés. Ils ne sont pas vraiment l'émanation du peuple, même s'ils le représentent. Donc, il est important d'organiser ces élections législatives, sénatoriales, locales, pour permettre aux populations d'élire leurs représentants. Donc, c'est important. Certes, la présidentielle a été organisée, mais pour que le processus puisse être complet, il faudra également voir dans quelles possibilités organiser les autres élections. Madison Bay-Gardino, cher Christian, nous allons boucler cette édition spéciale. Y a-t-il un dernier mot à ajouter, Christian? Bien, si aujourd'hui, au moins, si on n'a pas entendu des tirs d'armes, je pense que lors de les instructions du DG de la police sont respectées. Donc, s'il n'y a pas de troubles, voilà, il faut s'en réjouir. S'il n'y a pas de troubles, il faut s'en réjouir. Et vous? Le sentiment de tous les Tchadiens, c'est que cette élection, la proclamation de ces résultats puisse se dérouler dans la paix. Les Tchadiens aspirent véritablement à vivre dans la paix. Ils sont lassés de toutes les violences connues dans ce pays. Donc, leur souhait le plus ardent, c'est de vivre en paix. Les Tchadiens de tout bord. Donc, c'est une bonne chose déjà que cette élection puisse se dérouler dans une paix relative, dans un calme relatif. Et les élections sont un moment de démocratie. En réalité, c'est ça. Donc, l'élection passe, mais le Tchad va continuer à exister. Le Tchad est éternel, les Tchadiens vont continuer à exister. Donc, l'essentiel, c'est que, comme vous avez dit, il y a certains candidats qui ont félicité le vainqueur. D'autres, peut-être qu'ils vont s'inscrire dans l'opposition. C'est cela également la démocratie. Succès Masra avec ses 18%, Païmi avec ses 16%. On verra bien dans les jours qui vont venir. Peut-être que des alliances vont se nouer. Peut-être que certains vont signer des alliances de gouvernement. D'autres vont peut-être s'inscrire dans l'opposition pour continuer à jouer leur rôle de contre-pouvoir, d'opposition justement. Mais l'essentiel, c'est que le Tchad puisse continuer à exister dans la paix parce que les Tchadiens en ont marre des violences. Je retiens que l'essentiel, c'est que les Tchadiens puissent vivre dans la paix. Chers téléspectateurs, nous bouclons cette édition spéciale proclamation des résultats définitifs. Et bien, retenez qu'un 16 mai 2024, le premier président de la 5e République a été déclaré par le Conseil constitutionnel, l'organe suprême compétent en matière d'élection au Tchad. Et bien, cher Aladim Christian, journaliste à Tchad Info, et cher Madison Bay-Gardino, directeur de publication de Tchad Info. Merci beaucoup, merci d'être passé sur notre plateau. Ça a toujours été un plaisir, comme d'habitude. Merci, le plaisir est partagé. Merci à nos téléspectateurs. À vous, chers téléspectateurs, prenez soin de vous et restez en compagnie des programmes de Tchad Info TV à 19h45. Le Grand Journal vous attend. Bonsoir.